presque terminé. Plus qu'un détail, et c'est le moment de vérité. Oh, Yoyita! Bonjour, est-ce que tu vas bien? Oh, j'ai réussi! C'est fou, on dirait qu'elle est réelle! Bon sang, je vais enfin réussir à savoir où vivent les monstres! Je t'adore, gros loulou crado. Viens, suis-moi, mon vieux crapaud. Grâce à ta puce électronique, je saurai toujours où tu es, Yoyita. Je suis diaboliquement intelligent. Alors, les petits monstres, on dirait qu'elle t'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Oh, Lucie, me laisse pas tomber. C'est moi qui n'ai pas voulu partir en vacances avec elle. J'aime pas les vaccins. Garde tes forces pour l'entraînement, toi. Oh, t'es beau comme un chef, mon grand sportif à moi. Mon horrible cauchemar ambulant. Les autres concurrents ayant été éliminés, seul Lila Ville et Cradoxity restent en compétition pour les Olympiades. Monstre, le plus crasseux des concours sportifs. Une méga décharge attend les vainqueurs. Avec Pépé comme entraîneur, on a toutes nos chances. Ouais, parce que moi, il y a 40 ans, je les ai emportés haut la main, les Olympiades. Alors comptez sur moi, je vais faire de vous de vrais gagnants. On va l'avoir, ce concours. Voilà les épreuves. En un, on a lançage de bouse de vache. On enchaîne avec un avalage de blattes, puis ensuite, sautage dans la mélasse. Et enfin, le pire barbotage dans un redoutable pain de lilas. Allez, allez, on s'affole, c'est parti. Bien tenté, au suivant. Pas mal du tout, suivant. Ah, fantastique, suivant. Bien, allez, prêt. Parfait. Allez les gars, du nerf. C'est nous les meilleurs. Alors, qu'est-ce qu'il attend, les mots du genou? Alors, vous êtes prêts pour la pire des épreuves? Celle du bain de Lila? Oh, ça pue trop le Lila! J'ai réussi, hein, j'ai tenu longtemps dans le lilas. Bah encore heureux, c'est pour ça qu'on te garde. Bonjour, est-ce que ça va? Oh, ouais, une demoiselle dans la mouise, on dirait. On peut vous aider, Oui, je m'appelle Yoyita. Ah, Yoyita, mais il faut pas rester toute seule, Yoyita. Oh, ben à plus, derrière, j'emmène la demoiselle en croisière. Hihi! Vous savez qui c'est, celle-là? Non, mais en tout cas, l'ancêtre, il est tombé sur le ciboulot. La phase du plan 2 est enclenchée. Savoir si les monstres ont adopté Yoyita. Eh bien, la voilà, c'est elle. Elle traverse le parc, tout se passe comme prévu. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau costard, hein? J'aime bien le blanc cassé. Ah, viens là, toi, ma poupée. Mais qu'est-ce que tu fabriques, gros cochon? Ah, mais Yoyita voulait se promener, alors... Moi aussi, gros lard, j'ai envie de me promener. Et on reprend donc pour la suite du CD lecture et calcul, 5-6 ans donc. Non, merci. Pas besoin d'aide.
J'ai juste besoin que tu me laisses parler, moi. Je ne comprends pas. Les signaux m'ont guidé jusqu'au lac. Les monstres vivraient alors sous l'eau. Ça modifierait complètement ma théorie. Moi, je veux le dire. Si ça continue, la méga décharge va nous passer sous le nez depuis que... L'audio a un peu remouillé. Cette petite embrouilleuse a débarqué. Je me demande si... On aura les mêmes problèmes que la dernière fois. Du coup, en fait, si j'aurais pas dû quitter le jeu pendant la pause. Si vous voulez qu'elle parte, alors c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent là? Je partirai avec elle. Personne ne nous séparera, ma yo-yo et moi. Et habiller les marionnettes. Accroche-toi, chérie. Attention, c'est parti. À nous la belle vie. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y en a un qui s'est fait prendre. Je vais tous les cueillir comme ça, un par un s'il le faut, grâce à tous les pièges que j'ai posés dans le parc. Je te protégerai, Mayoyita, surtout n'aie pas peur. Tant que je serai là, personne, non, personne ne te fera de mal, crois-moi. C'est bien la marionnette du... Oh, quel malheur, on sait même pas où ils sont partis. Pleure pas, mémé. Tu sais, je trouve qu'elle te ressemble quand t'étais jeune, Yoyita. En moi jolie. Mais donc, évidemment. Ils sont bien équipés quand même. Mais tu fais exprès ou quoi? File rejoindre ta sœur, elle t'attend pour l'entraînement. Allez. À droite, des morceaux de carton. Grouille, si tu fais pas du carton, de progrès, ça. On gagnera c'est jamais le concours. Peut-être. Oh pauvre mémé. Mais c'est du carton on peut ici. Pas la laisser comme ça. Et si on ah oui, ça c'est littéralement une table. J'avais même pas vu tout ça là devant. Non, 2 minutes. Oh là. Putain, mais dès 5 secondes, il parle, c'est fou ça. Qu'est-ce qu'il fait avec une cage? Hé, c'est Pépé à l'intérieur. Ah, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, espèce de sale bête? Sur la table et à côté des morceaux de carton, il y a bien des bobines de fil. Yoyita! Alors là... Oh non, mes pieds se mettent à danser tout seuls. C'est un robot. Pépé, Pépé, bon, ben l'atelier, c'est bon. Pépé. Il n'y a plus que... Je sais pas, le panneau d'affichage. Les monstres de l'île à ville ne s'étant pas présentés à la grande finale, ils sont disqualifiés. C'est donc Kratom City qui gagne la méga décharge. Ou l'écran non polluant. Ah, tout ça, c'est la faute de Pépé. Bébé, réveille-toi! Yoyita! Ma Yoyita! Mais enfin, qu'est-ce qu'on t'a fait? Yoyita! T'inquiète, on lui a rien fait, bébé! C'est qu'un robot! Elle est pleine de vis et de fils! Mais qu'est-ce que tu racontes? Menteur! S'il te plaît, réveille-la, Kiko! Un lion ne se lave pas les dents. Le lion. Yoyita! Lève-toi! Il vient de manger, bien sûr! Oh, bonjour, voilà, mon crado. Est-ce que ça va? Je m'appelle Yoyita. Ma Yoyo. Écoute la phrase de l'affiche du spectacle, puis choisis l'enfant qui donne la bonne information. Moi, je n'aime pas les araignées. Attends, je vais réussir à te sortir de là. C'est bon, vite, on va encore se faire attraper. C'est pas une information sur l'affiche, c'est un avis sur les araignées. Ah, il ne danse plus. Recommence à jouer sur moi. Recommence. Arrêtez, j'ai dit. Non mais, ah, arrêtez. L'instit. Ouais, il perd rien pour attendre, cet immonde qui pue. Les mille pattes, t'en fais quoi, mademoiselle? De tout le monde, t'es content. Viens, gros. Fois de scrogne. Je suis content de revoir votre tronche de guide. Cette sale bête va tout gâcher. Il vaudrait mieux s'en aller. Quoi? Yoyita, c'est grâce. Pareil, j'imagine bien le gamin. Ah là là, tout ça pour une lettre de merde là. Qui toussait dans l'herbe. Yoyita, c'était rien qu'un vieux. Courait dans l'herbe.
Mais oui, il faut bien lire les phrases en entier, mettre des jeux de mots et des, donc des pièges. Si t'es vraiment un robot, elle nous a fait rater. Je sais pas si c'est plutôt bien et con cette chanson. Personne n'avait vu le piège. Ouais, c'est pas faux. On a qu'à le premier appel en terre. Dommage, il fait pas les galipettes.